premier ministre canadien Justin Trudeau parler. Et nous connaissons dans dernier jour ça là, depuis États-Unis, Canada ou bien n'importe l'autre pays qui a poids sous scène internationale là, depuis au parler qu'un vagabond pas bon ici de faire bip bip qu'un nègre en l'air tellement monsieur senti yo paniqué. Et bien restez là, m'bral bo plus de détails sous sa pays Canada dit à travers premier ministre Justin Trudeau. Dossier attaque qui fait son ancien sénateur Joseph Lambert là, il pas fin clé. Pas caché dit nous, il y a pile information, il y a paquet monde qui partage opinion, yo position yo sur attaque que ancien président du Sénat a subi hier en bas main bandit villageois que chef gang Iso a dirigé. Et bien bon ti va Islam bral partager avec ou bral gagner plus détails ou a bon idée réellement de ça qui t'est passé Joseph Lambert pendant l'étape descendant sur route bicentenaire. Premier ministre Ariel Henry dans moment n'a parlé a li en tournée. Et objectif monter descendre ça li pas l'autre que river convaincre diaspora yo que $1.50 la prend sous transfert yo la bien utilisé. On pral saisi m'bral bo ouais photo m'bral bo ouais ensemble des formations là qui river joindre moi bagaille premier ministre Ariel Henry a réglé dans moment n'a parlé a là avec $1.50 diaspora. Bonjour bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est un plaisir pour m'avec dans l'émission pour là mon éditorial avec Yannick. M'a rappelé ou sous TAC 509 tout haïtien connecté sous pourquoi abonner à la chaîne là, activer petite cloche notification et qu'on soit pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. C'est un véritable plaisir déjà m'a invité à partager vidéo puisque là on va joindre bonne information sans fausse côté niveau monté. Jean Sapé annoncé dans le commencement de l'émission, eh bien, premier ministre canadien, Justin Trudeau, l'y parlé. Qui ça lui dit dans l'intérêt Haïti, qui ça lui dit dans l'intérêt peuple haïtien, c'est toute information, ça, on va le connaître, qu'on y a, même, sans perdre une seconde. Eh bien, par rapport avec situation sociopolitique, sécuritaire difficile que nous connaissons dans le pays, hein, par rapport avec problème migration haïtien qui a couru quitter pays pour aller chercher la vie mieux l'autre côté et par rapport tout avec participation ou bien influence des acteurs politiques économiques nous gagnons dans la république qui participaient dans créer violence qui participaient dans financer gang dans bay gang moyen dans bay gang zam bal pour créer chaos généralisé pour créer terreur pour forcer haïtien quitter pays. Et nous, ouais, dans le mois de décembre qui se passe à là, qui véritable démarche que Canada et États-Unis ont fait pour sanctionner et quelques acteurs politiques, pour sanctionner quelques acteurs économiques, yo joindre qui ta gen relation avec bandi, eh bien, ça pas fini puisque, journée jodi, hein, yon l'autre fois encore, pays Canada reconnaît que yo supposé rete solidaire avec Haïti, yo supposé rete solidaire avec peuple haïtien et par rapport avec engagement que pays Canada fait qu'on est que li prend vis-à-vis de pays noir Haïti, eh bien y a prêté camper tant que kemaka capable bon côté communauté haïtienne pour yo aider nous joindre yon avenir meilleur. Est-ce que avenir meilleur ça li pral participer dans ramener stabilité en dedans pays an? Est-ce que avenir meilleur ça li pral participer dans ramener sécurité en dedans pays an? Puisque nous connaissons et Canada États-Unis c'est le principal pays journée jodi an là qui gen une relation de proximité qui gen une relation étroite avec police nationale d'Haïti. Canada li gagne pour le voyer blindé pour Haïti. Canada gagne pour le voyer l'autre matériel pour PNH pour combattre sécurité pour combattre violence. Gon premier parti nan matériel yo te délivré jusqu'à présent reste matériel yo reste blindé yo pour que jamais qu'arrive joindre PNH. Entre-temps insécurité a valé terrain. Entre-temps violence criminelle la taille bandan dans pays. Canada sanctionne des autorités politiques. Canada sanctionne des autorités économiques, des chefs d'entreprise qui influent dans la République. Mais la justice en Haïti, yo pas jamais fait aucune démarche yo même pour yo sanctionner moun sa, pour yo enquêter, pour yo venir avec dossier sur place publique, pour population connaît réellement à qui niveau, dans quelle dimension nèg sa acteur sa participer dans craser pays.
pour société, pour pays qu'on est, noir sur blanc, dans qui dimension, dans qui niveau nèg ça finance violence à gang dans pays. Parce que c'est pas seulement dans bouche pour nous dire bagaille, c'est pour ça gagne des CPJ, c'est pour ça gagne ULCC, c'est pour ça gagne UCREF là, c'est pour ça gagne bureau affaires criminelles dedans des CPJ pour enquêter sur action, pour enquêter sur comportement, pour enquêter sur comment l'argent dépensé, l'argent à financer, sur enquêter sur qui qualité moun, qui quantité moun, qui qualité moun, qui l'argent moun ça va blanchir pour gang, qui l'argent moun ça va blanchir pour bandi, qui l'argent moun ça va blanchir pour drug dealer dans le pays. Nous remarquons que l'autorité n'a pas assumé responsabilité. C'est pas à travers des mots seulement que Canada pral dit OK, yo campé solidaire avec peuple haïtien ou bien depuis en 1954 Jean et Justin Trudeau dit là depuis leur relation diplomatique qui a commencé entre Canada avec Haïti depuis le ça de proximité gen lien étroit entre deux pays yo. Depuis le ça y a travail et maintenant mais y a travail côte à côte c'est pays ami d'Haïti etc. Non parce que journée aujourd'hui là même genre n'a dénoncé chaque jour relation qui gagne entre madame la lim relation qui gagne entre corps groupe relation qui gagne entre communauté internationale relation qui gagne entre Nations Unies qui t'est voté à l'unanimité Conseil de sécurité des Nations Unies qui voté à l'unanimité pour kembe madame la lim dans pays pour kembe madame la lim dans tes pays pour kembe influence madame la lim sous gouvernement Ariel Henry Canada participer là-dedans. La France participe là-dedans, les États-Unis participe là-dedans. Même la Chine, la Russie, journée aujourd'hui, en pile ici après les vini, c'est à l'unanimité, tout est voté pour madame la lim continuer mandat, pour binu continuer action en Haïti. Jodi, faut nous réfléchir à deux fois. Faut nous repositionner nous dans des marches n'a fait pour nous connaître qui est vraiment qui ses amis Haïti, qui est qui a profité de situation à vivre en Haïti pour yo faire capital politique pour faire capital diplomatique sous dos peuple haïtien. OK, n'a continuer avec déclaration Trudeau. Trudeau fait connaître que yo reconnaître situation sécuritaire et humanitaire précaire qui gagne en Haïti dans moment là. Face avec adversité peuple haïtien, nous-mêmes nous démontrer haïtien jusqu'à présent malgré gagne sécurité, malgré gagne grand goût, malgré gang a terroriser nous montrer nous gon force extraordinaire comme peuple. Nous montrer courage, nous montrer détermination nous gagner pour nous réagir et réaction nous-mêmes le pas porter résultat. Journée aujourd'hui là des pays tant que Canada, des pays tant que États-Unis, l'autre pays ami d'Haïti yo reconnaître que nous vivons une situation déplorable. Yo reconnaître que problème insécurité alimentaire là, problème insécurité généralisée, problème grand goût, problème chômage, tout ça contribue à craser pays, tout ça contribue à craser société. Et qui ça yo, qui démarche Canada dans moment, qui démarche Justin Trudeau dans moment là, c'est river coordonner envoi aide humanitaire dans pays, coordonner livraison équipement de sécurité essentiel que gouvernement haïtien a acheté. Là la parler de blindé. On a parlé de l'autre matériel que PNH France LB était commandé pour la police nationale d'Haïti. Et il a continué à rentrer dans la démarche pour imposer de lourdes sanctions à tout responsable de perturbation sociopolitique que chaque grand haïtien a vivre jour et jour en dedans la République. Nous comprenons de chaque note qui sortit, de chaque prise de parole qui sortit. Que le États-Unis, que le Canada, n'importe l'autre pays, journée aujourd'hui là, qui mette problème Haïti sous grand écran, qui mette problème que Haïti a confronté en dedans pays sous grand écran, c'est une occasion en plus pour yon reconnaître que yon participé. Dans sa journée aujourd'hui là, on a vu comme échec. Que le échec politique, que le échec social, que le échec économique, États-Unis, Canada ont participé. Même j'en hier moins doux dans l'émission, principal ennemi pays, principal ennemi société, c'est haïtien avant tout. Mais nous, en tant qu'haïtien, en tant que pays, nous pas fonctionner en vase clos, c'est pas haïtien avec haïtien seulement, Haïti ouvri vers l'extérieur. Nous avons des relations diplomatiques avec un paquet de pays. Donc par rapport avec relations diplomatiques, nous côtoyons l'autre dirigeant, nous côtoyons l'autre acteur international. Et si nous regardons, si nous constatons le problème que pays a gagné dans notre dernière année, ça yo,
toujours gagner communauté internationale là qui a demandé dialogue, toujours gagner communauté internationale là qui a voyé émissaire, toujours gagner des représentants de communauté internationale là qui vini et qui a fait liaison, vous comprenez, yo là pour yo jouer rôle et entremetteur là pour jouer rôle et pour yo mettre différents moun yo chita ensemble pour chercher une entente, pour chercher un dialogue. Mais si n'aller plus loin tout parce que jodi 9 janvier là nous face avec yon vide institutionnel récurrent de dans pays, récurrent parce que déjà gen vide institutionnel nan sa ki gen pou wè avec président, pas gen président en dedans pays en depuis 18 mois. Ça pour rien qu'on y a vinn mettre tire sénat aller nous pas gen parlement, parlement dysfonctionnel de manière générale, pas gen député, pas gen sénateur, donc pas gen parlement. Nous nous trouvons dans une situation côté que Ariel lui-même li sou li nan démarche pour nous réparer l'élection. Pas un problème, pays pas ka fait, pays pas ka fonctionner sans que pas gen des élus, sans que pas bon président, sans que pas gen élection. Mais nan démarche pour Ariel mette camp en CEP pour faire élection, qui est-ce qui pral faire élection? Parce que en pile fois nous toujours dit blanc c'est blanc qui mette moun pour nous, c'est blanc qui choisit dirigeant et cetera. Mais faut que nous aller plus loin pour nous comprendre logique ça. Si formulation ça qui dit qui finance commande là. Qui finance commande toute élection? Pour me pas dire toute élection, préfère me dire majorité élection qui fait en dedans la République. Dans 30 dernières années ça yo, me rete dans 30 dernières années ça yo, qui est qui fait élection yo? C'est OEA qui fait élection yo. C'est OEA qui finance élection à hauteur de 80%, à hauteur de 90%, c'est yo même qui finance élection. Comment ouvre pour faire élection en dedans pays? Comment on voulait pour population, pour peuple, pour choisir représentant, et puis c'est mon de qui a bon l'argent pour faire élection. C'est mon de qui a imprimé bulletin élection pour te baou. Comment t'as voulu pour élection faite bien, dans transparence, pour élection équitable, pour élection démocratique dans le pays, alors que c'est mon de l'argent pour faire élection, c'est dans le fond de basket OEA l'a sorti, c'est dans le fond de basket États-Unis l'a sorti, Canada l'a sorti, la France l'a sorti, etc. Qui élection nous voulait faire? Qui élection nous voulons faire? Qui modèle dirigeant? Qui modèle moun nous voulons mettre dans tes pays pour représenter nous? Pour représenter pays? Et si m'ta retourne dans ti exemple, Lambert prend. Lambert est doux. Gagne des dirigeants dedans ou l'organisation État américain qui débarque la caille président Préval. Qui dit fuck yo changer élection. Résultat élection. Jude Célestin pas cal dans deuxième tour. Jude Célestin pas ka président. C'est Martelly pour yon mette. C'est exactement ça, Mabdoula. C'est exactement le résultat. OEA financé l'élection. OEA fait l'élection de dans le pays. Donc, c'est moun livre pour le mettre. C'est ça, yon le baou pour yon baoul. Donc, je ne dis là. Pas attendre nous si Ariel Henry a organisé une élection. Si OEA financé l'élection. Pour ce pas moun blanc qui le mette pour le mettre. Même l'on a l'élection ou voter, oui. Même l'on nous a sorti en foule dans le voter, oui. Président Jovenel Moïse, près de 500 000 voix, près de 500 000 moun qui te mette le sous pouvoir. Mais imagine, li te kapi petit que ça. Kon sa tout li te ka plus. Tout dépend de bonne volonté communauté internationale la ka gagne sous candidat. Tout dépend de satisfaction candidat à kabayo, etc. Parce que journée jodi, en fait, nous commençons à sortir dans des marches. Moi, je ne vais pas demander aux États-Unis à faire élection la Cali pour me demander et c'est la France qui fait élection pour lui qui finance. Je ne vais pas demander la France à faire élection la Cali pour me demander c'est les États-Unis qui finance. Je ne vais pas demander le Canada lui-même à faire élection parlementaire pour me demander c'est les États-Unis qui finance, etc. Non, pas de bagaille comme ça. Parce que chaque pays grand moun la kayo, chaque moun grand moun la kayo, chaque moun gère question politique la kayo nan façon pa yo, chaque moun gère question élection la kayo, question souveraineté pays yo, nan façon pa yo, jan yo vle, jan yo comprendre. Mais en Haïti, c'est tout bagay fait à l'envers. En Haïti, c'est devant derrière nous fonctionner. Donc après, pour nous relè, en mouy, blanc foure bouche nan bagay nou, blanc vle kaze pays nou, blanc supporte tel, blanc vle chavire tel non. C'est résultat mauvaise gestion, c'est résultat remè pran sans jamais dire non. C'est résultat remè pran, oui, nous voulons, nous toujours voulons blanc ba nous l'argent pour nous faire élection, blanc ba nous l'argent pour aide humanitaire, blanc ba nous l'argent pour nous faire route, etc. Mais après, quand vous venez poser nous pas d'accord. Faut nous commencer, faut nous suspendre. Avec logique, nous plongé bol blé nous devons blanc toute journée. Est-ce que nous comprenons la réalité? Est-ce que nous comprenons la logique? Ça même, là, dans la question et immigration, là,
majorité haïtien, majorité moun te dou question vaccin COVID lan, yo pa pran vaccin ça, yo pa fin trois clés sou li etc. Mais yon nan condition, yon nan condition pour moun rentre États-Unis nan processus sa, faut qu'on prend vaccin COVID lan. Faut qu'on prend vaccin COVID lan. Même pas dans des moun blen de ça non. Au contraire, ça qui attire attention c'est question problème passeport qui te gen, passeport communauté caribéenne non avec ancien passeport, question numéro qui pas concordé etc. C'est ça qui te préoccupé yo. Mais yo oublié si gon question vaccin yo te dit yo pas prend. Yo oublié si yo te dit vaccin COVID lan c'est pour ka réduire planète là etc. Bon pas qu'un débat mais je ne jodi an le nous face avec réalité nous le nous face avec propre réalité nous propre condition de vie nous n'a pour nous te nayo avec propre tête nous c'est ça moi même voulez nous toujours comprendre le nous face avec erreur là admettre nous font erreur et puis nous avancer si nous connaît si erreur là li fait et puis nous continuons à avancer dans l'erreur. Là, nous pas jamais grand, nous pas jamais grandi. Journée jodi an, majorité haïtien yo yo gon problème pour yo accepter tort yo, pour yo accepter yo fait erreur et puis pour yo passer sous ça. Sou konnen devant erreur avancer sous ça. Ou konnen font erreur, ou font mon bagage ou excuser, ça pas retirer rien en ou. Ça pas retirer rien en mounouyé an. Ou a vinn pi grand là pour reconnaître ou font erreur, font bêtise, bêtise ou fait bêtise et puis mounou fait bagage là ou excuser pour avancer. La vie continue. Vous comprenez? Journée jodi an la gros paquet haïtien, yo plus rentré dans logique, yo pas besoin manger, yo préférer gâter pour tout moun pas manger. Yo pas besoin bagage là. Yo préférer mettre terre là-dedans. Yo préférer vider de l'eau là-dedans, m'pa vle l pa gon moun ka vle, ça c'est égoïste. Yo paquet haïtien journée jodi an, qui égoïste? Oui, yo égoïste vraiment. Yo égoïste. Nan entourage nous yo égoïste. Nan relation d'affaires nous yo égoïste. Nan relation de travail nous yo égoïste. Nan relation de tous les jours et nous constatons même nan intérêt paysan moun yo montre yo égoïste. Si c'est pas yo le pas bon. Si c'est pas yo qui vient à projet le pas bon. Si c'est pas yo qui fait proposition le pas bon. Nous pas ka retirer paysan côté lien si nous continuons dans même démarche. Hier nous apprenons que et sénateur Joseph Lambert, président tiré Sénat, les victimes de attaque. Il y a des gens qui disent que c'est attaque ciblée. Il y a des gens qui disent que c'est faux film qu'a fait. Il y a des gens qui disent que c'est ancien sénateur a pas gagné. Même quand on est haïtien, c'est Saint Thomas. C'est leur ouais ou quoi. Donc, il y a des gens qui consacrent, des gens qui ont pu être à quoi. Et c'est bon, bagaille vrai, faut que soit le te mourir, faut que. Bah, qu'on est. Nous, qu'on est haïtien, nous, qu'on est logique là déjà. Et par rapport avec ça qui rive sénateur Joseph Lambert là, premier élément information que Gazette Haïti te partagé, ou te fait connaître que et sénateur là, sénateur Joseph Lambert, il te recevoir trois balles, c'est bandit village de Dieu qui t'est attaqué etc., etc. Bon jusqu'à présent sénateur Ali même lui beaucoup j'en parler, non par contre qui ça bagaille là est tout bon. Mais gagnon proche qui était là, un monde qui était là qui t'a vu bagaille là, qui lui-même lui partage en information. C'est extrêmement important pour tendre qui ça dit hein. Et puis ou même le ça a une idée est-ce que son film qu'a fait est-ce que son vérité sénateur l'a subi et une attaque armée et puisque nous déjà qu'on qui réalité pays question insécurité généralisée hein, mais ça plus grave je ne jodi on parler de un sénateur de la République on parler de un monde qui en bas sanction Canada et États-Unis pour qui ça encore parce que l'État financer gang parce que l'État financer bandi l'État bay bandi moyen pour yo simé la tout blanc dedans pays bay bandi bal bay bandi zam et pour t'attendre ces bal exam qui touye sénateur ou bien qui blesse sénateur bagay non grave yo grave c'est Jean Kondou là qui frappe par l'épée périra par l'épée donc zami m'pa di plus bon me chercher son pour me faire nous entendre parce que c'est extrêmement important important bon me faire nous entendre ensemble. Moi-même, je suis en de la cafétéria, à un moment, il y a un policier qui est attaché avec monsieur, avec un autre sécurité parlement. Ils sont venus, ils ont dit oui, et ils ont attaqué, ils ont fait attaque sur le sénateur Lambert, dans un point ensemble avec eux. Lambert est un autre sénateur ensemble avec lui. Tout. Et le policier a dit qu'on s'agit, pendant qu'il descend dans la rue de Cazelle, il est arrivé dans grand oui, de Kazen, lui dit, on ne passe pas devant la cafétéria pour nous descendre au BRH pour nous aller côté de Balia. Monsieur dit, monsieur font colère, il a conduit, et sénateur a conduit.
ils font coller, ils disent, ça n'est pas passé là, et puis, ils viennent descendre. L'aile presque arrive dans un point, dans une caserne, et lui-même encore, il dit, oh, il dit, mon égard avec Zam là, l'autre bol à rue, quand tu avais le policier a dit, mais fais bap, non. Monsieur campé. Vous voyez, il est campé. On y a les nègres fin traversé, il y a nègres prêté sur machine, il laisse à Michel faire bac. Et puis il dit, la brûlée en moi, il dit, oui, il dit, nègres, et puis lui-même, il courut ouvrir la porte là, il descend. Machine n'a blindé. Malgré le dit, monsieur, non, pas descendre. Le policier a dit, ouvre la porte là, lui-même pour le mettre balle. Dans le bon côté, le policier a prêté sa mienne, il n'a pas mis à passer encore. Le policier n'a pas qu'à tirer. Si le policier a tiré, monsieur a pris la balle. Ok? Et puis, monsieur courut. On y a pas de monsieur à terre, le policier a dit, mais c'est la terre, tiens quoi, non, courut, non. Bah, on y a monsieur courut, et puis, non, courut, bon, mon docteur est venu. Lui-même avec l'autre ténateur, il veut prendre moto et courir à l'Albès. Vous voyez? Il y a la police avec l'autre sécurité parlement, et puis eux-mêmes, ils ont oublié de désengager. Ils ont tiré un peu de tout, ils ont désengagé, et puis ils ont passé pour BH là. Ils ont passé devant un chiffre, ils ont oublié dans le coup de BH là, et puis ils ont monté, ils ont oublié dans le commissariat eux-mêmes. Machine n'a pas rien. Il y a l'air où vous, les cafétéries allaient, ils ont joué un négo qui était pour blender. D'abord, eux-mêmes, ils ne vont pas pour blender à faire un négo cadeau en bas. Il fait des cadeaux blindés, vous n'avez pas ce qu'il a à l'aise, et va jouer lui. Pour qui ça, les policiers disent, papa, c'est pas descendre dans des casernes. Il fait coller, il dit, ça n'y a pas de passer là. Il connaît, monsieur Grandi, vous votez machine là-bas, d'ailleurs, si vous avez tué monsieur, vous avez tué monsieur. Par exemple, quand on descend, côté de la mère à couille. Et il y a plusieurs de traverser la rue, il y a eu des machines là. Si vous avez tué la mère, vous avez tué. On va? Ah oui, en sérieux. Pas grand nez qui t'a fait désengager. C'est une machine dans les blindés. Mais est-ce que tu as arrêté une machine dans pour pendant un paquet de temps pendant que tu as tiré sur toi? Non. Tu as beaucoup désengagé et puis tu as vu la machine dans les blindés. Les cafétéries en allée et les responsables de la vente, les jeunes, ils ont fait la machine. Non. Et puis Lambert avec l'autre sénateur qui avait là, il y a pour le fusion dans le commissariat de Corpus. Bon, oui, bien, c'est que demain, si le mandat, monsieur a fini, monsieur pas sénateur encore demain, si je veux, l'hypothé aux machines blindées par Joëlio en bas, on voit, et Joëlio, il fait un cadeau blindé, vous n'avez pas ce qu'il est plus bien. Ok? Gain causé pour t'aller dans la République, oui. Gain parole pour t'aller dans la République. Et ces joueurs sénateurs, ça n'a pas le fait payer là. Comme si toute autorité ou obligé de graves accusations comme les gens qui ont relation à gang, à bandit. Mais imaginez, mais ça privé Lambert là. Premier élément de formation, information que nous avons considéré comme information qui est plus fiable, c'est à remettre les bandits au blindé. Pour qui raison? Parce que vous n'avez pas quoi dans la parole d'autorité encore. Vous n'avez pas quoi dans la parole d'autorité. Et connaissant sénateur Lambert, mon cher, m'a imaginé M. Figui Lambert qui a dit, ça ne va pas passer là. Ça. Lambert a dit le vrai. Non, Lambert a dit le vrai. Parce que, en pile arrogance, tout le monde connaît Lambert très arrogant. Mais, je dis là, peut-être que si DCPJ vraiment voulait faire un travail d'enquête, voulait faire un travail d'information, il faut que tu aies invité Lambert avec tout l'autre sénateur pour venir faire des positions, venir faire plus d'informations, plus de détails. Imagine, même là, où on fait de l'action, où sans tout paniquer, où sans tout reprendre, ou en danger, la vie en danger. Mais si nous ne courons pas avec Blende, supposez si. Bon, dit ou alors avec Blendea, c'est parce que vous partez dans la route Blendea. Bon, nous courons, nous quittons clair dans Blendea. Nous quittons Lambert, il ouvre votre machine dans le dessin de l'aller. Elle dit, quittez clair dans Blendea, il quitte clair dans la machine Blendea l'aller. Il n'y a pas trop d'intention pour aller là avec Blendea, pour te faire back depuis l'heure, il te get away bandit pour faire back pour aller. En tout cas, bagay négicite, pas jamais fin clé, bagay négicite, toujours un dernier détail là-dedans. Bah, ça au flou. Dossier ça au flou. On nous passe dans le dossier Ariel Henry en un moment là. Photo ça n'a pas gardé là, c'est Ariel Henry avec directeur général FNEA, Fonds National d'Éducation, Ronald Joseph. Eh bien, nous connaissons FNE qui c'est Fonds National d'Éducation. Eh bien, yo te créé l'heure yo prend $1.50 diaspora. $1.50 diaspora, yo t'apprend
mettez disponible dans fond pour yoter ka construire l'école, pour yoter ka construire lycée, pour yoter ka mettre laboratoire informatique pour élèves yo, pour ti moun yo, etc. Pendant un bon bout de temps, $1.50 sal garoté, PHTK garoté l'argent, Ariel rentre le garoté l'argent pirède. Et bien journée jodi an là pour mettre, on va prendre pour mettre un petit sirop miel sous diaspora pour faire douce parce que il y a bien longtemps mon a demandé faut Ariel Henry, faut gouvernement, faut que l'état haïtien suspend avec question $1.50 parce que yo pas réglé rien avec lui. Et bien là Ariel Henry gouvernement en conseil des ministres, yo continue là, y a montré diaspora $1.50 y a travail. Eh bien, il y a un total de 15 établissements dans grand sud là que gouvernement l'état haïtien a décidé là et 11 écoles nationales avec 4 lycées, yo pral faire réaménagement, yo pral faire construction, yo pral construire avec l'argent qui est disponible dans fonds national éducation. Est-ce que c'est pour faire moun dormi? Nous connaissons depuis qui le tremblement de terre a frappé grand sud là, pas grand rien qui fait et journée aujourd'hui là nous, ouais, c'est avec discours, ça, c'est avec parole, ça, que premier ministre Ariel Henry a venu. Là, on a regardé, il y a un laboratoire informatique que ont inauguré, ben, ça fait exactement matin, là. Il fait matin, c'est dans le lycée technique et professionnel, Joseph C. Bernard, ils ont inauguré laboratoire informatique, là. Ils ont passé dans plusieurs autres écoles. Yo distribué valises bay ti moun yo, yo distribué livres bay ti moun yo. Ariel, toujours jodi an là, gen l'école professionnelle qui pote non et au des trois fonds bon que al inauguré nan meyot toujours jodi an la. Ariel Antoune, li Antoune la montré avec $1.50 diaspora, gen travail ka fait, la montré avec $1.50 diaspora, gen rénovation ka fait. Mais nous connaissons gen moun ka veye, gen moun ki ap suive. Eh bien, gen on paquet de formation qui a circulé qui fait quoi que et journée jodi an gon paquet l'école que Ariel gon paquet et stade professionnel et technique que Ariel a inauguré c'est des projets qui étaient commencé sous président Jovenel Moïse mais gon bagay me voulait toujours dire nous et m'a toujours répété nous gen ça qui relait la continuité de l'état. OK, c'est pas que Ariel a prend mérite pour comme si pour ta vie me dit et c'est lui qui fait puisque nous connaît dans qui année bagay yo te commencé travaux yo te commencé nous connaît qui est-ce qui t'a initié travaux yo. Et pas grand question, c'était Jovenel Moïse. Pas grand question, c'est Ariel Henry. Seul bagaille, nous devons toujours songer, mettre dans tête. Nous, c'est l'argent diaspora, $1.50, Fonds national éducation qui investit. Ok? Je dis, si Ariel, il a besoin de prendre primeur, Ariel t'a dit, c'est lui-même qui construit, c'est lui-même qui inaugure, etc. Faut que nous capables pour nous dire, ou pas faire nos cadeaux, pas faire nos cadeaux, rien, c'est l'argent diaspora, vous voyez. C'est $1.50 diaspora yo peut-être nous estimer nous gagoter trop nous voler trop nous plein poche nous trop et nous fait ça nous fait si ça nous fait si ça pour l'école nationale là nous fait si ça pour ce technique là etc. Mais imaginez nous si des milliards chaque année qui rentrent dans le budget qui sortent dans fond diaspora qui sortent dans poche diaspora qui rentrent dans fond national éducation si nèg yo te kon utiliser l'argent ça tout bon pour faire réforme dans le système éducatif. Aujourd'hui, nous avons une bonne école en Haïti, nous avons une bonne école nationale, nous avons une bonne lycée, nous avons un paquet d'écoles professionnelles et techniques qui t'a formé des jeunes, qui t'a formé des générations. Mais comme ces petits miettes, comme ces petits morceaux, ça n'a pas besoin. Ils ont toujours les bails peuple en dernier. Et puis, aujourd'hui, alors, pour les gens, ils sont fiers. Chaque inauguration, chaque bagay qui fait, chaque construction qui fait, trois points yo a débarqué, on paquet de cortège là, 20-25 machines, on paquet de sécurité, on paquet de chef, débarqué la presse, débarqué et des représentants de l'international, vin garder ça yo fait. Comme si son grand bagay, un gros bagay qui fait, qui pas jamais fait dans le pays, alors que gen l'argent disponible pour ça. Alors que diaspora, $1.50 n'a pris chaque jour sous frais transfert, gen l'argent disponible pour yon taba en l'autre système éducatif en Haïti, gen l'argent disponible pour chaque l'école nationale, chaque lycée, chaque centre professionnel à technique, ta gen gros laboratoire informatique, ta gen gros bibliothèque. Mais qui l'état? Qui l'état? Nous bon l'état, nous bon pays, côté que tout le monde a cherché mérite, c'est mon te fèl, c'est mon te vina projet, c'est mon te initié projet, mais oublié si c'est l'argent peuple. Yo oublié si c'est l'argent taxe, si c'est l'argent impôt population haïtienne. Faut que nous suspendre avec avec idée ça yo, avec bataille politique ça yo qui pas utile loin, qui pas utile pays a rien même. Matin on va aller qui choquer. C'est le m'a regarder
et sénateur Patrice Dumont qui a fait conférence de presse pour le bilan. Qui bilan? Qui bilan Patrice Dumont gagné dans le Sénat? Qui bilan Joseph Lambert gagné dans le Sénat? Qui bilan Ronnie Zelestin gagné dans le Sénat? Qui bilan du sénateur? Hein? Ou qu'on bilan, sou qu'on bagayote fait de positif qui utile pays, qui utile problème politique qui gagne là, qui utile sécurité pays, en fait, me connaît parce que moi-même pas well. Moi-même, dans la dernière année, ça y est, c'est l'argent seulement qui a coûté l'État haïtien, c'est l'argent seulement qui a coûté contribuable, il n'y a pas de grand merde. En tout cas, moi-même, je suis bilan, mais ou même bral bo possibilité pour qu'on bilan chaque grain nèg sa yo, chaque grain et criminel habillé sa yo qui te déguisé en bas comme sénateur de la République. Eh bien, le moine Bono qui était sur Radio Caraïbe dans l'émission Grand Boulevard Matin, li bat mette de l'eau dans bouchi pour le bay bilan sénateur yo. Et faut moins 50e législature ça, dans pour législature qui coûtait l'État haïtien, qui coûtait nous pas même dit l'État haïtien, nous même en tant que contribuables qui coûtait nous les yeux de la tête. Même ça yo qui sorti là, littéralement tête pour 2e lundi janvier à arriver, oui pour y être allé. Pour quand c'était là, j'en a dépensé dans nèg ça, on a vidé, on a vomi dans con nèg ça. Nèg ça pas utile nous en rien pour l'argent ça non. Combien proposition de loi nèg sa yo ki vini anvèl pou yo di se yo? Combien proposition de loi ki vote? Combien sérieux ki fait sou problème structurel pays, problème sécurité, problème stabilité, problème chronique nou gen nan question politique en Haïti? Combien? Qui ça ki fait? Qui se qui ça ki fait vraiment nan parlement haïtien? Ouais, c'est idée un sénateur de la République. Nous avons 50e législature, son 50e législature qui gon paquet criminel déguisé. On compte aujourd'hui si n'a font bilan nous ka compter combien sénateurs qui impliqué dans trafic ça. Combien sénateurs qui impliqué dans trafic drogue. Combien sénateurs qui impliqué dans bay bandits en munition. Nous ka compter combien sénateurs qui impliqué dans corruption. Nous ka compter combien sénateurs députés en dedans la République qui a fait l'État haïtien qui a fait nous payer caillou pour encore qui c'est propre caillou. Nous ka compter yo en pile oui. Yo en pile. Bon quitte avec le man Bono ka ba plus détails, chita bien. Chita bien pour tande agenda vagabond, agenda criminel ça en dedans pays. Et me dit nous ça, li temps pour parlement haïtien tourner repère de bandi. Faut parlement suspend tourner repère de bandi. Faut parlement kage moun valable moun sérieux qui représente nous, qui représente chaque département, qui représente chaque commune. C'est pas un nèg qui vient cacher pour faire trafic de drogue. Pour yon faire trafic zam, pour yon vin jouer immunité, pour yon vin jouer privilège, etc. Pour yon vin des machines blindées, pour yon faire cocaïne passer. Ça veut dire. Bon, d'abord, c'est pouvoir politique qui est responsable parce que c'est au par exemple faire élection à temps. Et le pays a traversé un ensemble de crises politiques, notamment en 95, ça fait élection de 40 ans et temps, c'est 3 ans, prise d'un réussite de passer en exil. L'invigné en octobre 94, élection, pas tant que temps fait pour renouveler chambre députée et sénat. Maintenant, on va avoir une deuxième vide encore, c'est en 2004, crise d'Aristide allait, on va avoir une transition, et maintenant, élection pas de fait à temps, elle fait en avril 2006, ça vient de faire que sénateur et député rentrent en fonction en mai. Mais, si on va le bail qu'on y a, l'autre élection, on va le faire encore, on va le faire en 2010. Élection va le faire encore en retard. Ça veut dire que c'est ensemble de pouvoirs exécutifs qui passent dans le pays avec une crise politique qui mène nous dans l'instabilité et qui ne pas permettre que l'élection soit faite à temps. Et bien, on toujours vivre dans une situation côté que les parlementaires après rentré en fonction après l'heure pour rentrer. Et bien, ça a créé un vide législatif. Et vite, ça fait que sénateurs et députés vont régler en question de 2e lundi de janvier. Et que, mais en principe, le 2e lundi de janvier, ce n'est pas la fin du mandat des parlementaires. Mandat des bons députés et sénateurs rentrés en fonction correctement début du mois de janvier, mandat fini depuis le 31 décembre. Si un sénat sent que Johnny Ferdinand se dit que mandat est fini hier soir à minuit, eh bien, ce sont mes interprétations de la loi électorale. La loi électorale n'a pas dit que mandat est fini. Et deuxième lundi de janvier, en principe, la loi électorale, là, c'est dans deux cas, il est tranché, dit que mandat est sénateur député a fini deuxième lundi de janvier. Mais en principe, depuis le sénateur député qui est rentré en fonction au début du mois de janvier, il y a une toute allocation au mois de janvier.
Eh bien, mandat est fini depuis 31 décembre. Et puis, j'étais régulièrement et élu en octobre, novembre ou décembre. Je n'ai pas élu en janvier. Eh bien, l'entrée parlementaire l'a fait correctement le deuxième lundi de janvier. Eh bien, mandat est fini depuis fin décembre. Alors, si ça, je n'y vais pas dire dans l'introduction de la matin, c'est une interprétation un petit peu erronée, mais ce n'est pas deuxième lundi de janvier, mandat fini. Mandat fini depuis fin décembre. Moi, pour le janvier, là, pas aucune allocation, pas grand rien, que pour le barreau, je débarque toute allocation dans le mois de janvier. Par conséquent, eh bien, mandat fini 31 décembre. Et puis, fin mois de décembre, il est, c'est la fin du mandat des parlementaires. Qui était régulièrement élu en octobre ou en novembre ou en décembre, il rentre en fonction début du mois de janvier, il fait validation de pouvoir. Deuxième lundi de janvier, c'était la rentrée parlementaire. Constitution n'a aucun côté. Elle dit que mandat sénateur et député a fini deuxième lundi de janvier. Mandat sénateur et député fini fin décembre. Député régulièrement entré en fonction depuis du mois de janvier, il fait validation de pouvoir, ou prêté serment 3, 4 ou 5 ou 6 janvier. Et puis maintenant, deuxième lundi de janvier, c'est la rentrée parlementaire. Mais par aucun côté, comme nous, c'est deux lois électorales seulement qui te prévoient que rentrée parlementaire a fait un mandat après deuxième lundi de janvier. Ça, c'était un petit rallye pour nous faire par rapport à la question deuxième lundi de janvier. Hein? Donc, matin là, c'est à Doué, ils ont l'autre législature qui t'a rentré, c'est sur VFN quoi là. Exactement. Maintenant là, c'est pas même la législature, c'est la rentrée parlementaire. Okay. Mais la législature a commencé depuis que sénateur et député prêtaient serment. Souvent au côté serment, et parce que pas oublié, avant de faire rentrée parlementaire, la deuxième lundi de janvier, ils ont prêté serment une semaine ou quelques jours avant. Ils ont prêté serment, ils ont monté bureau, ils ont élu un bureau. Maintenant, bureau ça, il va commencer le travail le deuxième lundi de janvier, qui est la rentrée parlementaire. Mais deuxième lundi de janvier, c'est pas fin mandat parlement, c'est la rentrée parlementaire. Fin mandat, il finit depuis fin décembre. Depuis fin décembre, par exemple, semaine ça, et député de Sénat, tiers Sénat, tout le monde qui a des machines Sénat, ou qui a des âmes Sénat, qui mettent à disposition de vouloir prêter comme sénateur, semaine ça, on peut retourner. Ou à le poté dans le secrétaire général, il recevra tout bas dans le monde et notifier, il faut signer qu'on remette aux machines qui étaient back up. Alors que Jean-Moussa a dit tout à l'heure, souvent, ils mettent aux machines à disposition des sénateurs. Eh bien, le président Sénat, souvent, son machine neuve que l'État mettait à disposition de lui, mais ce n'est pas machine qu'il a acheté pour lui. L'heure qu'on y a le pas sénateur encore, eh bien, il a acheté le baron franchise d'acheter une machine, il soit à l'importer lui, ou bien acheter une machine dans le besoin, il déduit taxes et impôts qui gagnent que vous faites tout le monde payer, et puis l'acheter une machine neuf lui. L'heure pas président sénat encore. Mais ordinairement, et si une machine backup que le sénat mettait à disposition de lui, eh bien, depuis semaine ça, il était souvent, il était fait pour goûter le retourner dans le parlement. Secrétaire général, la pour se voir l'homme et tout le bien parlementaire metté à disposition de lui, la promette. Mais ce n'est pas directement, je dis, il hein, fait tout ça depuis le début du mois de janvier. Là. Parce que, j'aime ça dire là, deuxième lundi de janvier, ce n'est pas la fin du mandat des parlementaires, c'est la rentrée parlementaire. Bon, donc nous admettons dernière législature, ça n'est pas vraiment un bilan, tout comme tirer le Sénat, il était plus là de manière symbolique, mais par rapport à vide de législature, ça, et qui situation au monde qui pourrait avoir besoin d'échange pour l'activité et pour aller dans l'élection qui a bien pour faire? Bon, on se voit une question qui presque, comme on dit, est très, 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 très importante. On va voir pendant ces cinq dernières années, on va dire pendant quatre dernières années, et que la 50e législature a été faite, il n'y a pas de charges à personne. Tous les anciens ministres, premiers ministres qui ont des charges, autant des députés à venir, même s'ils paguent 30 000, 40 000 dollars américains, pas payer des charges. Il y a une seule fois le Sénat de payer des charges, c'est tout ancien monde qui mourit, qui est ancien ministre, mais tout ça vivant, il ne faut pas avoir des charges. Par exemple, on a un monde de Mathurin, qui est ancien ministre et d'agriculture, si vous voulez, le premier mandat, tout ça le fait pour payer des charges, il ne faut jamais aller. Pour qui ça? Parce que c'est parlementaire sud-est, par exemple, monsieur Deschage, monsieur son ancien agronome, monsieur c'est mon qui travaille dans toute commune dans le sud-est,
Yo connais depuis au bal d'échange, ni pas le candidat au Sénat, pas de monde qui a battu Mathurin. Et le ancien ministre, il n'a pas jamais quitté le gars d'échange. Et c'est là qu'il finit de mourir. Et puis quand il y a là, Sénat font parodie de décharge. Yo ben ensemble, en tout ancien monde qui demande des décharges depuis longtemps, ancien et ministre, et puis yo ben au décharge. Même ministre qui est cap vive, qui demande des décharges, tout ça au fait. Coudé contre vos rapports, près de soixantaine de rapports pour ancien ministre, ancien premier ministre, et ben parlement qui est tout, yo ben chamba moun ça au décharge. Ça veut dire que son législature et Sénat qui passait, eh bien, qui non seulement en termes de bilan saisi ou barré, parce que son douzaine, son quinzaine de lois ont voté pendant environ toute législature là, il va travailler. Et si on coûte l'État haïtien beaucoup plus cher, alors comme vous, c'est pareil seulement. Yo. Depuis le budget 2012-2013, eh bien, Sénat a voté un budget qui prévoit pour chaque sénateur 16 millions de gouttes par an. Et à l'époque, tu es venu à environ 300 000 dollars américains aux sénateurs coûté l'État haïtien. De 2012 à jusqu'à dernier sénateur, ça a sorti là, tu as coûté l'État haïtien environ 300 000 dollars américains là. Qui sont véritables scandales pour un pays qui a tellement de difficultés en Haïti. Et en début, tu as coûté l'État haïtien près de 200 à 250 000 dollars américains là. Et c'est ça, tu es, depuis le budget 2012-2013, je te vois que. Fonds pétro-caribéen, budgétisé, et depuis là, ça, monsieur a dit que, pas de question pour un député en sénateur, là, le fini mandat, et bien, même ma machine n'est pas qu'à acheter. Comme nous, avant, jusqu'à à partir de 95, bon centre d'allocation que t'es bail député et sénateur, auparavant, au pas de 45e, mais pas de conjoint allocation, ça. Par exemple, pour la deuxième résidence, allocation pour fête patronale, et ensemble de l'autre allocation de débat à partir de 95. Mais c'est des maudits, ensemble, qui permettent que sénateurs et députés allaient faire rentrer Port-au-Prince, il y a un frais de première installation qui était 100 000 gouttes. Il y a un frais de deuxième résidence qui était 50 000 gouttes par an. Maintenant, à partir de et Parlement Lavalasse en 2001, yo mettons une augmentation dans l'allocation ça qui pas réellement et qui pas exagéré. Par exemple, on sénateur te gagne au lieu de 50 000 gouttes comme frais de deuxième résidence, à partir de 2001, il était monté jusqu'à 100 000 gouttes. Et même jusqu'à 48e législature, il était monté 150 000 gouttes par an, le débarrassé comme frais de deuxième résidence. Maintenant, à partir du budget 2012-2013, nous mettons 4 000 dollars américains par sénateur comme frais de deuxième résidence. 4 000 dollars américains, nous ne nous mettons pas en nous, 4 000 dollars américains par mois que les sénateurs ont touché de 2012, dans le budget 2012-2013, jusqu'à dernier parlementaire Sahel qui a quitté Scalé semaine Sahel, qui m'a fini depuis fin décembre. Ils ont touché 4 000 dollars américains par mois. Comme frère de deuxième résidence. À tel point, on a songé que sénateur Lambert Désir, oui, comme ce deuxième personnage, pour que ça voit quand même 8 millions de gouttes par mois. Ça veut dire que c'est des parlements qui coûtent l'État haïtien en pile comme, comme c'est 16 millions de gouttes par sénateur. Comme dévaluation, une fête en gouttes, ou pas qu'à dire qu'on a été coûté 300 000 gouttes, 300 000 dollars américains, pour dernier parlementaire calé là, parce que dévaluation de une fête en 2012, eh bien, le ça, c'est presque 40, il vient de monter 50 000 gouttes pour un dollar. C'est-à-dire, le ça, c'est 300 000 dollars américains en sénateur de côté de l'État haïtien. On député en 200 000 dollars américains là. Mais c'est ça, on découpe l'État haïtien. Et pour qui résultat, on va dire presque zéro résultat. Je ne parle pas de mon ancien sénat, ancien ministre, ancien premier ministre, je ne parle pas de l'échange. Pour ça, parce que je ne parle pas de mon candidat pour au Sénat. Et raison ça. Et quand il y a 50e, c'est plus grave. Lui, 49e, il va prendre de l'argent. Nous ne pouvons pas sénateur pour être ancien ministre et des charges. Il y a quelques ministres, il y a quelques anciens ministres, il y a quelques anciens premiers ministres. Mais 50e législature, ça. Mais bonjour, je parle au député, je dis bonsoir, je dis comme ça. Avant de dire comme ça que les gens demandent 20 000 dollars. Les gens demandent si on va donner 40, 50 000 dollars, par presque des groupes. De députés, pas bail de charge. Parce que c'est ton législature d'enrochant, 50e nadi. Monsieur, son grand bagage de connaître, ouais, c'est pour la première fois, ça fait. Yo ministre,
qui des ministres son gouvernement qui a tombé, par exemple, qui des ministres privés, l'a tombé, le gouvernement la font à monter sous journal. Les gens exigent que le ministre planification et ministre planification sous privé, parlementaire exigeait que monsieur était comme ministre planification sous journal. Pour qui ça? Parce que l'État bail projet, l'État bail comme. En bon, il t'a bail comme, et bien il a exigé que l'été, c'est pour la première fois, ça fait trois fois. Pardon? C'était un viol fleurant, non? Un viol fleurant. Il a exigé que l'été, tel que monsieur t'a bail au projet, t'a bail au comme. En bon, et bien son législature, ou comme on dit, il y a une législature de la honte que le Parlement connaît, 50e, ça se passe là. Même si c'était un groupe de sénateurs, un groupe de députés qui étaient dans l'opposition, Il y a des députés qui ont droit, tout le statut de l'opposition. Mais il ne va jamais dénoncer. Il ne va jamais dénoncer quoi l'aide qui a demandé l'argent pour le bon monde décharge. Et tout président Sénat qui passait, il y a tout. Il ne va jamais dire rien par rapport à l'ancien ministre. Nous, coup de compte, nous avons 60 de dossiers de décharge. Dans le Parlement, il n'y a jamais personne déjà jusqu'à présent de sécurité là dans le Parlement. Il n'y a jamais des charges parce que je parle de Mounzaïo. Non seulement il y a un candidat au Sénat, mais deuxièmement, c'est l'argent à demander. Il y a l'argent pour un rapport qui est favorable, il y a l'argent pour plus d'argent pour un ministre qui a un rapport défavorable. Eh bien, là, nous t'as souhaité que la population prenne note pour là avoir voté dans la prochaine élection. Après 2004, sénateur, eh bien, mon cher. Et c'est vraiment, ou pas qu'à arrêter de consacrer pour voter des députés sénateurs, parce que le monde ça vous passe en pile là où vous passez là. C'est vraiment, c'est l'argent seulement que vous devez faire. Puis que vous faites ça gagne deux ans, en 2020, pendant l'année législative dominicaine, parlementaires ont voté une dizaine de lois. Pendant une année, voilà, fait scandale en République dominicaine. Tout le monde fâché dit allocation, privilège de guerre, pour une année, on vote une dizaine de lois. Eh bien, parlement haïtien, ça se passe là, dernier législature que ça. Hein. Pendant près de 4 ans, sont douzaines de lois ont voté pendant 4 ans. Il va même vivre en vingtaine de lois, non, on voté. Oui, bon, on a rappelé que, en fait, les questions des charges là sont outils politiques parlementaires qui étaient gagnés en meilleur pour bloquer une série de monde qui étaient occupés des fonctions dans un pays. Mais m'a retourné sur la question Pierre Renel là qui a. Timando qui s'appelle fait là pour des personnalités qui ont même pas le besoin des charges pour aller dans l'élection pour fait yo. Et à part ça, moi-même, Timando, est-ce que là, il va pas le demander pour que nous aller dans la question ou l'autre constitution par rapport à durée mandat qui là, parce que vraiment là, pas gagné possibilité pour que durée mandat constitutionnel là respecté, puisque gagné député qui était déjà rentré en fonction, sénateur qui était rentré en fonction, comment ça va l'agencer là pour permettre que même crise que nous avons l'année passée ou pas continuer et après élection qu'elle est là. C'est normal, il y a 2 ans là. 2 ans, oui. Et est-ce que là nous obligés à aller dans l'autre élection ou consensus? Comment ça peut être fait là? Bon, alors ça, c'est une belle question. Depuis qu'on nous fait la constitution, toute barrière est partie à zéro. On retourne à zéro et on va faire élection, mais quand c'est la constitution pour fixer durée mandat député, est-ce que nous allons retourner avec sénateur et tirer sénat chaque 2 ans qui pose problème? Non seulement problème par rapport aux moyens financiers que l'État va gagner pour chaque 2 ans pour faire élection, est-ce qu'il va tant mieux sous une nouvelle constitution pour t'a fixer un seul mandat pour tout sénateur? Parce que même là, on dit que y a des villes pour éviter qu'on ne gagne vide législatif, toujours gagne vide. Et lorsqu'on continue à se décréter, on ne va pas voter loi, on ne va pas faire rien. Mais tant plutôt, on gagne un grand mandat pour sénateur. On dit, mandat tout sénateur, tout député, 5 ans. Et puis maintenant, on renouvelé entièrement, totalement. Maintenant, on te l'a fait pour éviter vide législatif, toujours gagne vide. Mais on saute presque fait 2 ans là, avec un tiers sénat, il ne va pas voter loi. C'est-à-dire, quelle a été son importance pour le pays? Aucune importance. C'est-à-dire, là, je suis d'accord avec vous. Deuxième, première question de poser par rapport à des charges. Question ça, son problème qui posait à chaque fois et que mandat parlement est pour être gonti en Sénat,
qui était 95, c'est le même problème. Non. Et quand il y a un Sénat qui était, et puis il était, et puis ancien ministre, ancien monde qui demandait des charges, il n'y a pas qu'à prendre des charges. Maintenant, dans deux circonstances, qui ça a fait? Maintenant, une fois, à coup de compte, tu as préparé un rapport pour l'ancien ministre et que là, ce rapport est favorable, maintenant, qui ça, président, fait? Il y a des charges, ça a des charges provisoires. Mais il faut un rapport que des comptes sont favorables. Si le rapport que des comptes dit que le crédit budgétaire que tu mettais à disposition de l'ancien ministre et que le rapport que des comptes dit que le rapport est favorable, maintenant on y a, président, il faut arrêter et puis il faut avoir des charges provisoires. En attendant, parce que la Constitution ne peut pas que c'est le Parlement qui doit bailler des charges à l'ancien ministre. Ancien Premier ministre. Et là encore, son question pour nous soulever. Nous avons souhaité que si une nouvelle constitution pourrait retirer cette affaire de décharge dans mes sénateurs et députés. Son marchandage lié, c'est l'argent que monsieur a besoin de faire approuver mon décharge. Maintenant, mettez toute question de charge en cours de compte. Que cours de compte va être décharge à toute catégorie de fonctionnaires, toute catégorie de comptables de l'État public, toute catégorie d'ordonnateurs, que ce soit ministre, Premier ministre, eh bien, sénateur qui était dans le Parlement, par exemple, le député sénateur décide si on cap de tête de chaille. C'est son vagabondage. Alors que constitution nous que le Parlement n'est compétent que pour donner des charges comme ministre et au premier ministre. Et puis, les pensé règlement intérieur, chambre député en 2009, en 1980, en 2008-2009, et puis ils ont décidé, M. Lambert était président, ils ont décidé et que c'est le Parlement qui a battu la décharge. Et puis, quand il y a, le président, ils font une commission, et un ancien là, une commission en chambre députée, et que c'est battu la décharge. Mais toute décharge, ça au nul. N'importe conseil toi, a refusé de dire non, parce qu'il est écrit noir sur blanc dans la constitution que le Parlement n'est compétent que vous donnez des charges comme ministre. Ça veut dire que là encore, son lot bagaille pour toucher nos nouvelles constitutions. Si y a une nouvelle constitution, il faut retirer cette histoire de décharge dans mes sénateurs et députés. Le Moine Bono. Le Moine Bono, pendant qu'on a parlé de changement constitution, est-ce que c'est pas ta occasion pour nous penser à Balizio, pour éviter, c'est pas n'importe monde qui vient occuper fonction prestigieuse ça, sans aucun résultat, tant que j'en ai constaté là et à la fin de la dernière législature. Bon, alors, dans aucun pays et au monde, que pour mettre des conditions académiques pour moi, député sénateur. Et en loi électorale qui était votée en 1995, le président a réussi de soumettre un projet électoral devant le parlementaire. Et puis, dans la loi électorale, ça, et député et sénateur en janvier, et bien, tout ça, ils ont introduit des conditions académiques pour venir député, pour venir sénateur. Eh bien, le président a réussi de recevoir la loi. Il n'est pas publié pendant autant en fonction. Quand le mandat est fini, il a publié là, mais il retire toutes conditions académiques parce que la Constitution n'a pas prévu conditions académiques pour députés et sénateurs. Dans tout pays, il y a des pays, il y a une loi électorale et une constitution pour députés, il faut remplir telle condition. Maintenant, il quitte la dernière clause pour dire les autres conditions seront déterminées par la loi. C'est-à-dire qu'il a quitté la loi électorale là, qui t'a fixé l'autre condition. Mais par contre, quelle constitution au monde qui prévoit que pour députer au sénateur, pour mettre des conditions académiques? Non, il va mettre ça dans quelle constitution. Oui. Et donc, en tout cas, je dis là, puisque nous dit, tu as l'autre législature qui est rentrée, mais qui n'est qui pas faite. Et là, d'après le gagné, il y a un pays qui n'a pas gagné en quelle institution démocratique qui existait, et avec un premier ministre qui est même illégitime. Et, à qui ça nous devons attendre nous là pendant, on dit, dans 5, 6 mois, 1 an qu'on vient là-haut? Bon, nous devons attendre c'est tout à l'heure, nous sommes soulevés. Johnny Fadil, nous sommes soulevés pour une question très importante. C'est concernant le conseil de la transition. Monsieur Ariel décide de monter lui. Et côté que c'est que comme d'habitude, son paquet conseillé par la cabinet, mais c'est pas un conseil qui peut décider, qui peut prendre une décision, qui est capable de pas d'accord avec l'ensemble des décisions que Ariel a pris. Bon, et nous attendons que si effectivement, comme il y a un bruit qui a couru, il y a un remaniement
dans l'attribution au conseil de transition, on a un conseil qui est beaucoup plus équilibré et qui t'a gagné la donne tout et qui t'a permis que l'ouverture fait à un pile de parti politique. Par exemple, Jean nous sont dit là, grand pile grand ténor. Alors, pas dit grand ténor vraiment dans le parti politique, mais des partis politiques que pendant ces 25 dernières années, qui sont toujours présents dans le Parlement, que ce soit Famille Lavalance, que ce soit bon, Petite Dessaline, c'est récemment, et OPL, des partis ça, ils n'ont pas entré, ils n'ont pas signé l'accord 21 décembre, non? Eh bien, si il y a une ouverture qui fait dans l'accord ça, qui t'a permis que l'accord ça, il est beaucoup plus large, elle permet que il y ait plus d'attribution au conseil là, eh bien, il est bien défini, eh bien, ça peut permettre que l'autre parti ça y rentre la donne et qui t'a un petit peu déjoué crise politique là et déjoué crise là, et puis peut-être nous partis pour un nouveau départ et qui t'a permettre que nous, en nouvelle constitution, un nouveau CEP, et puis d'ailleurs, pour mettre question, hein, résoudre question de sécurité, hein, parce que j'aime bien dire, depuis que j'ai fini faire émission, dans le Caraïbe qui vient de cause, moi, je quitter et Nouvelis, parce qu'après une émission, hein, Nouvelis était fâché, et comme je dis, ambassadeur et carrière, c'est un menteur, et effectivement, l'histoire vient de m'embrouiller, jusqu'à présent, je vais m'embrouiller, les amis. Je vais m'embrouiller le matériel que l'État s'est acheté. Malgré 6 octobre, l'ambassadeur a dit, oui, il a venu dans quelques semaines, mais de 6 octobre à nos jours, je ne sais pas que c'est quelques semaines qui est encore. Ça vient fait qu'après une émission, ça y est, M. Duval écrit, il dit que nous sommes traités ambassadeur du menteur. Eh bien, au nom du nouvel liste, il m'a dit pour me présenter l'aide d'excuse à l'ambassadeur. Eh bien, je me réponds, je ne me dis pas qu'on quel côté, je me rapport hiérarchique avec l'ambassadeur. Je ne pas manquer le dégât. Je simplement dit que l'ambassadeur, le 26 juillet, il te dit, ça va venir en quelques jours, et il n'est pas capable de jouer exactement, tout le est fini. Le gouvernement canadien a approuvé de manière haïtienne, non? Et que le matériel lui a fini, équipement et chablin de yo, eh bien, il n'y a pas de fini. Le 6 octobre encore, là, le palais sous magique, il dit même bagarre là, il dit là, il faut se poser des questions. Monsieur l'ambassadeur, ça fait plus de 2 mois, vous avez dit que la commande haïtienne sera incessamment arrivée. Maintenant, nous sommes, et le 6 octobre, il dit oui, oui, il y avait un problème logistique, la commande sera arrivée dans quelques semaines. 6 octobre, oui. Après, une semaine après, une fin d'intervention sous Caraïbe, ils ont fait un marchandage, ils ont venu avec 3 chars, ce n'est pas même chars même, ils ont le véhicule de transport de troupes. Ils ont dit oui, matériel commence à entrer, ils ont fait tout le monde faire grand, faire publicité, et pourtant, ils sont paquets, 3 véhicules de transport de troupes, deuxième main, qui n'est qu'on utilisait déjà au Canada, ils ont porté fait cadeau en Haïti, et puis ils ont dit qu'ils sont partis dans le matériel. Jusqu'à présent, le matériel va venir, et ça va nous. Ça permet que l'histoire m'a raison. Mmh. Et que l'AND dit que l'ambassadeur est son menteur. Jusqu'à présent, on n'est pas venu. Et depuis lors, et 2 semaines après, du vote de Mme Samy, qui ne dit pas présent d'excuses, eh bien, il vient nommer 2 assistants, nous, qui se farèsent avec deux dieux. Ils ont nommé le secrétaire de rédaction et ils ont publié sur les réseaux sociaux. Immédiatement après, m'écrit la démission, on me quitte nos églises. Mmh. Et Max Chauvet vient dire, j'accepte la démission, non? Parce que moi-même, j'ai insulté l'ambassadeur du Canada. Et que là, du mal, on me présente des lettres d'excuses. Eh bien, on passe du mal en dérision, on ne peut pas présenter, mais on accepte des missions. Depuis lors, pour couper, après 21 ans, 9 mois, moi, j'ai quitté mon liste. Et c'est après émission de fait, on me tenu quand même pour me faire rectification, ça, parce que c'est après émission carré blanc que monsieur était fâché. Mm-hmm. Il était fâché, et puis on demande ça. Depuis lors, pour couper, moi, je ne suis pas dans la nouvelle liste encore. Mm-hmm. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial nous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Wow.